travailler le plan de swing au golf c'est ultra important et le plan de swing c'est quoi pour faire le, le plus simple possible c'est simplement en fait l'angle que prend le club lorsqu'il vient monter redescendre et passer à travers la balle. C'est-à-dire que l'angle que le club va prendre, par exemple, à cette étape-ci, donc vous voyez que je monte avec un club qui est à peu près dans cet angle-là, mon but serait de le faire redescendre par la suite à peu près encore une fois dans cet angle-là. Et même principe, lorsque je reviens vers l'avant, d'aller chercher un angle qui est similaire. Pour le travailler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une tige d'alignement. Et si vous n'avez pas de tige d'alignement, vous pouvez prendre autre chose. Mais vous allez voir que cet exercice-là va être super simple à travailler et ça va changer complètement la façon que vous voyez votre montée, la descente, mais aussi votre finition. Cet exercice-là est bon, peu importe que ce soit avec un fer ou avec, par exemple, un driver. Ça va être exactement le même principe. Je vais vous le montrer euh, d'ailleurs tout à l'heure avec un driver aussi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement prendre une tige d'alignement comme ça ici, et vous allez la placer sur le club comme ça. Donc vous laissez passer quand, dé, dépasser quand même pas mal la tige d'alignement ici et votre but est simplement de à partir de là de venir prendre le club comme vous le feriez à l'habitude. Parce que la tige d'alignement fait en sorte justement que euh, le grip va être un petit peu plus gros, c'est sûr et certain que euh, les mains vont être différentes un peu sur le club, c'est pas grave, okay? Même si vous sentez une légère différence par rapport à ce que vous faites à l'habitude, ce n'est pas grave. Notre but avec cet exercice-là est simplement en fait, d'aller chercher euh, le bon angle au niveau de notre montée, descente et après l'impact. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser justement le bout ici pour essayer de voir exactement dans quel angle est votre club. Je m'explique. Vous vous installez à la balle, vous tournez vers l'arrière comme ça ici. En demi-swing, normalement, comme ça, ce qu'on devrait voir, c'est qu'on devrait voir le bout ici de la tige d'alignement qui pointe à peu près entre la balle et vos pieds. Okay? On ne veut jamais voir quelque chose comme ça, et ça, on en parle souvent ensemble. On ne veut jamais voir des mains qui sont trop actives comme ça, qui fait que le bout du club s'en va par là. Et on ne veut pas non plus que ce soit trop vertical comme ça, où le bout viendrait pointer complètement au niveau de mes pieds. Donc, je veux avoir à peu près un entre-deux. Et ce n'est pas une science exacte. Là. Ça n'a pas besoin d'être 100 comme ça. Ce n'est pas grave. C'est à peu près, OK? Donc, vous allez chercher à peu près cette sensation-là. Donc, j'arrive à mon demi-soigne ici, j'arrête mon euh, mouvement. Je regarde si ça c'est bien positionné. Parfait, c'est bien positionné. Je monte. Lorsque je vais redescendre, et c'est là que c'est ultra important. Lorsque vous allez redescendre... Vous allez venir chercher exactement le même principe. Donc, vous voyez, par exemple, le bout, du, euh, le bout de la tige d'alignement présentement qui pointe encore à peu près entre les deux. Beaucoup trop souvent, lorsque euh, je vais faire des analyses de soins ou lorsque je vais donner des cours, ce qu'on va voir, beaucoup trop souvent, ça va être, par exemple, un mouvement qui démarre comme ça ici. Donc, tige d'alignement qui s'en va par là. Et ensuite, on se rabat complètement par-dessus. On va avoir des slices ou des balles tirées complètement, mais vous voyez la différence au niveau de l'angle. Okay? Voyez à quel point le bout de la tige d'alignement s'en va par là. On redescend, on fait ça ici. Donc, vous voyez que je suis passé de ça à ça. Mon but pour aller chercher un maximum de régularité, c'est d'avoir sensiblement le même angle que ce soit au niveau de ma montée qu'au niveau de ma descente. Donc, je vais essayer d'aller chercher une sensation où ça, et là je continue à tourner vers l'arrière, je redescends ici, et là boum, je vais chercher exactement la même chose ici. Et plus je vais sentir que ça et ça, c'est la même chose, plus c'est facile pour moi justement de ressentir cette relation-là entre mon mouvement de corps, mais aussi l'angle que le club va prendre. Et comme je vous disais, plus cet angle-là est régulier, donc autant au niveau de ma montée que de ma descente, plus c'est facile pour moi de ramener le club correctement à l'impact. Quand vous faites ce mouvement-là aussi, n'oubliez pas, vous ne voulez pas seulement vous concentrer sur ça, vous voulez aussi laisser tourner le corps comme vous le feriez à l'habitude. Donc, si par exemple, je fais mon demi-swing comme ça, je viens le positionner, je veux quand même sentir que mon corps tourne, comme on a vu dans les autres leçons ensemble. Donc, je continue, je redescends, et à partir de là, bien, même quand je vais venir redescendre ici, je veux le faire en m'appuyant sur ma jambe avant et en tournant le corps quand même. Ok Donc je veux vraiment l'appliquer comme si je voulais taper une balle. Une fois que j'ai cette sensation là, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais y aller sans la tige d'alignement et je vais essayer d'aller chercher exactement la même sensation. Prenez simplement le club un peu plus court qu'à l'habitude, donc pour bien voir le bout du club ici. Et ce qu'on va faire. C'est qu'on va venir taper des balles avec ces points de repère-là. Donc, je fais mon premier point de repère, je regarde où pointe le club. Parfait, donc ça, c'est bon. Je redescends, même principe. Parfait, je suis encore sensiblement dans le même angle. Je ne suis pas comme ça ou je ne suis pas rendu comme ça. Parfait. Et à partir d'ici, tout ce que vous faites, tournez et venez taper la balle. Et peu importe votre contact, ça n'a aucune importance. Votre but avec cet exercice-là, c'est simplement d'aller chercher la sensation que le club est bien positionné. Donc, Point de repère 1, c'est bon. Point de repère 2, c'est bon. Je tourne et je tape la balle. Et ce, peu importe le résultat, ce n'est pas grave. C'est simplement une sensation. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est exactement la même chose, mais après l'impact. C'est aussi important d'avoir cet angle-là après l'impact que lors de notre montée. Plus vous allez avoir de constance entre l'angle que vous avez ici et l'angle que vous développez vers l'avant, plus c'est facile. Très souvent, quand, par exemple, vous vous filmez ou si euh, vous regardez les autres taper la balle, vous allez souvent voir, par exemple, des finitions qui ressemblent un peu à ça ici. Donc, un mouvement qui est très court vers l'avant ou bien un mouvement qui est très à plat vers l'arrière pour ensuite être très vertical vers l'avant. Donc, ça, c'est des problèmes justement au niveau de notre plan de swing. On va faire exactement la même chose. Mais on va le faire justement pour notre finition. Donc, vous reprenez la tige d'alignement, encore une fois, exactement le même principe. Et ce que vous allez faire à partir d'ici, ça va être exactement la même chose qu'on a fait vers l'arrière. Donc, vers l'arrière, on avait notre premier point de repère, notre deuxième point de repère ici. Bien, ce que je vais aller chercher, moi, à partir d'ici, je laisse tourner le corps, le même principe. Et quand je vais m'en aller vers l'avant ici, je veux avoir un peu la sensation justement que... Le bout ici de la tige d'alignement va venir pointer à peu près entre mes pieds et où était positionnée ma balle. Ce que ça fait, c'est que ça va enlever des finitions qui vont ressembler un peu à ça ici. Donc, vous voyez à quel point mon coude vient se plier ici. Vous voyez à quel point la tige d'alignement maintenant pointe complètement derrière nous. Donc, le fameux chicken wing ici, quand on essaie de garder ça là, le plus stable possible, vous voyez qu'automatiquement je vais l'avoir. Si je tourne, que je laisse. Mes mains se tournaient et que je, je m'assure d'avoir le bout du club un peu ou le bout du, de la tige d'alignement un peu où était positionnée la balle. Vous voyez tout de suite que cet angle-là et cet angle-là, les deux sont sensiblement pareils. Donc, je vais chercher à ce moment-là un mouvement qui est extrêmement semblable lorsque je fais mon, euh, ma montée, en fait, et euh, ma finition. Et c'est exactement ce que je veux avoir. Plus j'ai un angle qui est constant ici, plus c'est facile d'aller euh, développer, en fait, justement, de la constance au niveau de nos contacts. Plus on a de variantes, par exemple, comme ça ici et comme ça, ou le contraire comme ça ici, et ensuite on termine super bas, bien plus c'est difficile. Ça, ici, poum, je tourne, je viens taper la balle et je peux même vérifier à partir d'ici si je suis encore correct. Une fois que j'ai senti ça, bien là, je peux y aller vraiment avec un swing complet en allant chercher vraiment ces points de repère-là. Ça ici, ça ici, boum, je termine complètement vers l'avant. Et plus vous allez travailler en étape, plus vous allez construire votre swing. Exactement la même chose avec le driver. Donc, je prends mon driver ici, je vais installer la tige d'alignement. Exactement la même chose. Donc, je tourne vers l'arrière, mon premier point de repère, mon deuxième point de repère. Quand je vais venir taper la balle ici, boum, je termine vers l'avant un peu encore avec ce même principe-là. Et n'oubliez pas, quand vous... Travaillez ces exercices-là quand vous allez vers l'avant comme ça ici. Assurez-vous que le corps se tourne aussi. Ne faites pas ça simplement avec la boucle de ceinture face à la balle. Laissez tourner votre corps et c'est là que les mains vont pouvoir se relâcher et venir se positionner correctement. Mais c'est exactement le même principe, le même principe en fait, avec le driver. Donc, je viens m'installer et je vais aller chercher ça ici, ça ici. Je tourne. Je viens taper la balle ça ici, poum, et je viens terminer vers l'avant. Et même si je vais y aller avec simplement un coup de pratique comme ça ici, ça ça ça, simplement pour le sentir et par la suite je m'installe encore une fois et là je vais prendre cette sensation-là et je vais essayer d'y aller avec un mouvement complet.